le conservatoire de Montargis, l'école de musique d'Alville et le chœur Selma Cabillet de Paucourt. Merci beaucoup de votre présence, de votre nombreuse présence. Ça nous fait chaud au cœur de pouvoir partager avec vous ce programme qu'on a eu beaucoup de plaisir à monter. On espère vous transmettre tout ce plaisir. Voilà, je remercie monsieur le maire qui est présent aujourd'hui pour assister à ce concert et nous sommes honorés de sa présence. Voilà, donc ce concert de l'Orchestre Symphonique des Rives du Loing, c'est un projet pédagogique qui se fait entre le Conservatoire de Montargis et l'École de musique d'Avilly. Les élèves se réunissent pendant une douzaine de séances de répétition et voilà, présentent ce programme. Alors ce concert-là, c'est le troisième concert d'une mini-tournée que nous faisons dans les alentours. Ça a commencé à Montargis. On a fait hier soir à l'ADAPT, à midi, dans une note de l'ADAPT près de l'hôpital. Et nous voilà ce soir. Alors, évidemment, voilà, c'est peut-être ce qui explique les visages un petit peu tirés. Voilà, donc ils sont là. Pareil, c'est quand même du boulot, c'est de l'émotion. C'est beaucoup d'échanges. Voilà. Mais ça va le faire, parce que voilà, tout le monde a très très envie de jouer et de faire partager ces belles pages de musique, donc ça va le faire. Nous allons commencer avec un concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, plus précisément le numéro 3 et son premier mouvement. Alors il a la caractéristique d'être... dans une orchestration un petit peu particulière, il n'y a que des cordes, que des instruments à cordes, et disposé par trois voix au lieu de deux habituellement. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et l'ensemble des concertos brandebourgeois que notre ami Jean-Seb a proposé au Margrave de Brandebourg, c'est un hommage qu'il lui a rendu, c'est des œuvres qu'il lui a envoyées en espérant être embauché par ce personnage qui était très mélomane et qui avait plein de musiciens autour de lui. Bon, ça n'a pas bien fonctionné malgré tout, voilà, c'est dommage, mais il nous reste les concertos, dont ce troisième, et dont nous allons vous jouer le premier mouvement. Thank you.
composer énormément. Voilà, le seul, la plus grande difficulté dans sa vie, une fois qu'il a été sourd, c'était les voisins, parce qu'il était apparemment épouvantablement bruyant à chanter, parler très fort, faire tomber tout un tas de choses. Voilà, bon, c'est voilà, un grand homme, mais qui avait peut-être des dispositions sociales un peu complexes pour lui. Voilà. Donc, ce deuxième mouvement va vous permettre d'entendre les vents de l'orchestre, de l'Éric du Loin, qui voilà, vont nous rejoindre pour cette pièce. Thank you.
pièces. La première d'entre elles. Juste un petit bout de cette émotion. Donc il s'agit bien d'une pièce de Gaetano Donizetti, extraite de son opéra Lucia della mer morte. Et c'est le cœur, un des cœurs de cet opéra, qui s'appelle le cœur du mariage. Voilà. Donc c'est le cœur Selma Chapelier qui va être à l'action pour cette pièce-là. Ça arrive, ça arrive. C'est tout. Vous êtes assis, on est au chaud. Il faut bien prendre une petite minute, hein, c'est pas de problème. Et je laisse la place donc à Adrien Poupin, qui est le chef de ce chœur et qui va diriger cette pièce. Et nous avons Armel Matisse au piano.
avançons autour de notre programme musical. Vous avez dit quelques chanteurs qui sont également montés sur scène. Il s'agit maintenant du chœur de chœur d'adultes du Conservatoire de Montargis, et donc qui rejoignent pour un Ave Verum de Mozart. Alors, je voulais juste préciser une petite chose à propos de ce chœur d'adultes du Conservatoire, c'est que c'est vraiment ne savait pas au mois de septembre qu'ils se retrouveraient sur scène avec un orchestre. Donc on les a embarqués dans un petit traquenard musical et amical. Mais voilà, c'est une trajectoire rapide pour eux. Voilà. Remercier tous les gens qui ont permis ce grand travail, de voir 90 personnes.
personnes là sur scène, comme ça, vous imaginez bien que ça nécessite un peu de coordination, un petit peu de travail. Donc je vais, voilà, vraiment avec la plus grande sincérité et la plus grande chaleur, remercier tous mes complices, à savoir les Camilles aux extrémités de l'orchestre. Thank you.
conservatoire est en effervescence en ce moment, il y a beaucoup de productions. Il y en a une qui arrive samedi prochain à la salle des fêtes. Alors, rien à voir avec ce auditoire-là, mais néanmoins, passionnant aussi, c'est de l'improvisation graphique, peinture, fusain, entre autres, hein, sur de l'improvisation musicale. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais c'est la même chose. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Venez samedi 17 à 20h, vous verrez, ce sera super. Et j'en profite pour remercier Jean-Christophe Cholet qui est là, qui est un artiste compositeur émérite et qui vient nous écouter, et surtout qui anime l'atelier qui a permis le spectacle dont je viens maladroitement de vous parler la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous. Thank you.